Donc, bonjour Bonjour. et Et bienvenue sur bonjour. cette table ronde de l'idée Bonjour. aux produits. Donc, avec nous, donc il y a Broussailles, Aldo Papacoda, Olivier Sanfilippo, Guillaume Tavernier et moi-même, l'Alex Andrea. Alors, c'est très assuré chez moi, donc je vais peut-être avoir des petits problèmes pour tous vous entendre. Je vous propose de commencer peut-être par vous présenter un peu et dire un petit peu ce que vous avez créé pour pouvoir ensuite parler justement de cette idée de base jusqu'à arriver au produit. On commence par Broussailles? Moi, je suis une ancienne du jeu de rôle. J'étais Est-ce que au vous départ, m'entendez? j'écrivais pas mal d'articles à l'âge d'or du jeu de rôle. Puis je me suis tourné vers une production plus personnelle et j'ai sorti dans le commerce, enfin, qui Alors, sont est-ce que vous disponibles deux m'entendez? jeux de rôle, oui, qui sont Terre suspendue et plus récemment, j'ai oublié le titre, c'est pitoyable, voilà. C'est vrai que c'est moche. Voilà. Donc un jeu plus d'ambiance en fait. Et je travaille actuellement, enfin en parallèle sur d'autres projets aussi qui sont pas sortis. Tu veux Donc bien prendre la Guillaume Tavernier, suite? Je suis illustrateur. Et j'ai créé il y a de ça 3 ans une petite structure éditoriale d'architecture art pour éditer ce que je dessine. Il n'y a rien de plus enfin, on n'est jamais mieux servi par soi-même. Donc voilà, je m'auto-édite et j'édite, je sors mes dessins. Et donc je travaille avec des auteurs pour construire les jeux et les parcours d'aventure qui sont créés au travers de d'architecture art. Je passe le relais. allez, qui prend la suite? C'est moi, c'est ça? oui, c'est toi, C'est moi, Olivier, ouais. respecte-toi. Reste Alors, que bah, toi, moi, ouais. c'est Olivier Sanfilippo. On me connaît aussi sous le pseudo Akae. En fait, à la base, je suis illustrateur, puis je suis devenu cartographe, et maintenant, je suis auteur dans le milieu beaucoup du jeu de rôle, mais aussi en littérature un petit peu, et dans le jeu de société de manière générale. Alors, en l'occurrence, j'ai travaillé sur pas mal de gammes. Et pas mal de jeux avec Aldo, avec plein de monde en fait, et plusieurs éditeurs. Et actuellement, je travaille sur mon jeu qui est l'Empire des Cerisiers. Voilà. Et puis plein d'autres projets à droite et gauche. Des projets secrets? Il y a des projets secrets, pas secrets. Enfin, il y a plein de choses en fait. Beaucoup. Moi, c'est l'Alex Andrea. Je suis illustratrice, principalement pour la jeunesse, autrice. Et du coup, j'ai créé des jeux, moi, de société, pas jeux de rôle. Un jeu de cartes qui s'appelle Prosperia. Je vous propose de partir sur la première question qui est comment est-ce que émerge la première idée? La première idée d'un jeu. Allez-y. Allez, de plein de manières différentes en fait. Je pense que ça dépend. Enfin, moi, c'est ça vient de. Je vais commencer. Je prends la parole. moi, ça vient d'une envie en règle générale, de plaisir et de passion qui sont connexes. C'est pas directement l'envie d'écrire un jeu à proprement parler en fait. Disons que c'est plus ma créativité qui s'exprime à travers le jeu de rôle, par exemple. Donc ça peut être un tas de choses. Là, en l'occurrence, l'Empire des Cerisiers, c'est mon amour du Japon. C'est parti de cartes. Enfin, c'est un petit univers que j'avais, par exemple. Hein, c'est pour prendre un exemple, hein, qui est assez concret actuellement. Un petit univers que j'avais juste développé pour des copains, faire des parties vite fait sur le pouce dans un univers japonisant et où je pouvais glisser toutes mes inspi, toutes mes envies. Et en fait, c'est resté sur le côté en fait, hein, pendant des années. Et j'ai fait en 2016-2017, j'ai commencé à faire des cartes en 3D ISO de petites villes, etc., pour m'amuser, m'entraîner. Et en fait, finalement, c'est parti de là, l'Empire des Cerisiers. Ça a ravivé l'envie de refaire quelque chose là-dedans. Et mon éditeur m'a suivi plus que ce que j'avais prévu au départ. Et du coup, voilà, ça a donné un jeu. Oui, je rejoins complètement Olivier. Alors, les autres, parce que je rejoins Olivier dans la façon
il appréhende ça par le dessin. Moi, c'est d'abord des visuels et c'est exactement ça. En fait, avant de développer le jeu, j'ai des images et on part des images avec les auteurs pour en faire quelque chose. Donc, c'est d'abord plein d'images que j'ai dans la tête que je travaille avec des auteurs pour qu'on en fasse quelque chose. Mais c'est ça, c'est d'abord des cartes, des dessins. Bon, j'ai la même approche que Olivier. Alors, moi, c'est un peu différent en fait, parce que comme je suis dans la pratique du jeu de rôle, ça vient souvent de parties en fait que je joue. En fait, je joue à des jeux qui existent déjà dans le commerce, et puis à force de les patcher, parce que il y a quelque chose qui me plaît pas, il y a quelque chose qui me convient pas et tout ça, j'en viens à réécrire le jeu de telle façon qu'au bout d'un moment, il est tellement méconnaissable que je. Enfin, ce serait très honteux de ma part de dire que je joue à ce jeu-là, même si ça y ressemble lointainement. Donc, au bout d'un moment, je me dis bon, il faut peut-être que je dise que c'est pas le jeu traditionnel comme on y joue. J'y joue à ma façon, donc je trouve en général un nom de projet que je garde ou pas. Et souvent mes projets viennent de là, de jeux qui existent déjà et de beaucoup de pratiques, de choses que j'ai pas aimées dans la partie, de règles que j'ai modifiées, d'univers que j'ai rajouté ou quoi que ce soit. Donc, En tout cas, pour revenir justement sur le côté image, bon, il n'y a pas que les images à proprement parler. Il y a aussi une envie d'ambiance et de décor, de décorum, qui n'est pas forcément que visuel, mais en effet qui touche pas mal au visuel. Hein, j'avoue, c'est un peu mon péché mignon hein, quand même. Il y a aussi une question d'ambiance en fait. J'ai envie de vivre, enfin, disons que tout ce que j'ai envie de créer, j'ai envie de le vivre aussi. C'est peut-être aussi pour ça que ça passe par le jeu de rôle en fait. C'est-à-dire, j'ai envie de le mettre en scène, j'ai envie qu'on joue dedans et qu'on l'explore pas simplement. Enfin, moi, je serais trop frustré d'écrire qu'un roman en fait, par exemple, pour moi. Il faudrait qu'en plus je joue dans un roman. Bon, après, en plus de ne pas avoir absolument pas une plume qui me permettent de pouvoir écrire un roman un jour. Hein. Voilà. Mais je pense que oui, on a parlé d'images, mais c'est vrai que les images nous nourrissent aussi beaucoup, je pense, les inspirations, parce que enfin, quand on est dans un univers, c'est vrai que même si on peut créer pour certains ses propres images, hein, quand on a le talent d'être illustrateur, mais quand on l'est pas comme moi, on s'inspire aussi beaucoup d'images qu'on voit, enfin ici ou ailleurs. Je sais que les terres suspendues, ça me vient au départ d'un album de Valérian où il y avait cette espèce d'île qui flottait dans l'espace, hein, qui s'appelle Sur les terres truquées, et je me suis dit tiens, ce serait marrant d'avoir une idée de multivers avec comme ça des îles qui flottent et qu'on puisse passer d'une ambiance très différente l'une à l'autre. Je m'étais dit on pourrait comme ça avoir une partie de vampire, une partie de science-fiction et tout ça, sans qu'il y ait de rupture dans le continuum de l'univers. Et puis, bah, c'est devenu autre chose parce que ça a évolué avec le temps et j'ai gardé cette idée comme ça de terre qui bouge et qui se déplace dans l'espace. Moi j'ai quand même ce souci, c'est que je suis pas auteur, j'écris pas, je sais pas bien le faire. Et effectivement, à chaque fois, ça part de choses que je dessine, sont tout le temps des décors, des cartes, des plans. Et en fait, je vais taper à la porte des auteurs en leur disant « qu'est-ce que ça t'inspire ? Est-ce que tu pourrais écrire un petit truc autour de ça ?» Et puis là, on part sur des ping-pong, ils me font modifier des choses où je leur impose, enfin, où je leur propose, j'impose pas. Si Jérôme m'entendait, je leur propose des choses. Et puis, voilà, après, c'est une envie, il faut qu'elle soit commune, il faut qu'on ait cette envie ensemble de développer quelque chose. Mais c'est vrai que souvent les auteurs, pour des architectures art, hein, bien sûr, parce que c'est ça, je dessine des choses qui me font plaisir, et ensuite je demande d'habiller tout ça et de créer quelque chose autrement. Alors, je pense que pour les auteurs, je sais que Géraud, il aime assez travailler comme ça, parce que il peut rebondir sur ce que je dessine. Il trouve ça assez agréable de s'y prendre de cette façon-là. Peut-être que tous les auteurs, il y en a, ça les briderait. Peut-être que de partir d'un dessin pour imaginer quelque chose, on pourrait se sentir un peu bridé et pas être complètement maître de tout ça. Mais je sais qu'avec Géraud, ça fonctionne bien, ce système. Mais je pense qu'il y a un aller-retour entre, de toute manière. Moi, je sais que les différents illustrateurs avec lesquels j'ai travaillé, en fait, les illustrations nourrissent l'univers et ainsi de suite, parce que, en fait, il y a un aller-retour constant, parce que, en fait,
Ce que les gens se rendent pas forcément compte, c'est que quand on est sur des projets dans le long terme, on travaille avec un illustrateur pendant 3-4 ans. Et c'est vrai qu'il y a, il y a un échange aussi qui fait qu'il n'y a pas d'immédiateté, en fait, de, il n'y a pas d'immédiateté dans un projet. On peut pas réaliser un projet en 2 semaines. Et c'est vrai que les allers-retours vont faire, vont faire évoluer le projet aussi. C'est vrai. Juste si vous voulez, pendant ce temps-là, je peux vous parler, moi, pour l'illustration et le jeu. Donc, sur mes deux jeux de société, j'ai fait ça différemment. J'en ai un que j'ai illustré, Prosperia, et j'en ai un que je n'ai pas illustré, l'école de Nicolas Flamel. Et en fait, c'était beaucoup plus enrichissant pour moi d'avoir une autre illustratrice, Valériane Duvivier. Et je rejoins ce que vous dites finalement pour le jeu de rôle, parce que pour le jeu de société, ça m'a beaucoup inspiré, la manière dont elle mettait en image les idées du jeu, les cartes, etc. Et donc, c'est vrai que le processus créatif n'était pas le même quand c'est moi qui illustre et quand c'est quelqu'un d'autre qui illustre. Mmh. Même pour un jeu de société. Alors, alors moi, du, enfin, il y a eu un peu. Moi, j'ai toujours illustré quasiment pour les autres, en fait. Mmh. Et c'est arrivé. On avait fait un projet avec, donc, où j'avais appelé Aldo sur et qui est vu qu'il a, on l'a coécrit en fait, qui était un projet amateur, mais qui a pris des circuits pro. Enfin bon, c'était Sunda Mizumura, un supplément pour Légende des Cinq Anneaux. Et donc déjà là, c'était une première collab qui était assez. Pour moi, c'était une première déjà de travailler, d'illustrer mon propre projet. Mais en collaboration. Et après, avec l'Empire des Cerisiers, c'est vrai que ça arme de travail de, d'illustrer et d'écrire. Alors, c'est pareil, je ne travaille pas tout seul sur l'Empire des Cerisiers, loin, loin, loin de là. Même quand il y a marqué moi auteur, il y a tout un staff derrière qui relie, qui corrige, qui m'aide beaucoup. Aldo, il le sait très bien, ça arrache les cheveux parfois. Et donc, voilà. Ouais, ouais, là, la dernière, elle était. Voilà, il a, c'est de ma faute en fait si Aldo perd ses cheveux. Et donc voilà, donc et puis bon, en plus je peux pas me priver même sur dans l'Empire des Cerisiers, je sais que Mathieu, mon éditeur, voulait que le livre de base soit écrit par moi en fait, et par moi, voilà, en sachant que derrière il y a du monde qui vient à ma rescousse. Mais je pouvais pas ne faire un jeu entier, en fait, avec des suppléments, tout ça, sans faire participer des copains et d'autres personnes. J'y arrive. En fait, au bout d'un moment, j'y arrive pas. Écrire tout seul, illustrer tout seul, faire ça dans mon coin, même si après, il y a de la maquette, de la relecture, etc. C'est pour ça qu'il y a plein de scénarios qui ont été faits par les copains. Il y a un supplé qui a été écrit par 2 copains aussi. Alors, j'ai supervisé et tout. Hein. Et voilà, bon, après, en plus, il y a une question de quantité de boulot, quoi, parce que là, en l'occurrence, ça faisait 4 bouquins à écrire pour le crowdfunding et à illustrer entièrement. Par contre, il n'y a que moi qui ai illustré, donc ça faisait beaucoup, beaucoup, quoi. Donc, voilà, quoi. Mais j'arrive pas à faire que moi tout seul, c'est pas possible, j'y arrive pas. Surtout que tu as tout illustré aussi. Entre les capacités et les compétences. Hein. De quoi ? Comment ? Excuse-moi, je t'ai pas entendu. Ouais, ouais, tout illustré, tout cartographié, tout ça, ouais, c'est, en effet, c'est un gros, gros boulot, quoi. Mais, ouais, ouais, donc, en effet, la créa originale, au bout d'un moment, enfin, il y a l'impact qui est très personnel, le projet, en tout cas, pour des projets perso, hein. Et après, par contre, l'émulsion d'une équipe, c'est pas pareil, quoi. Ça fournit de nouveaux angles, des choses qu'on n'avait pas vues, de nouveaux axes. Pour moi, c'est important, en fait. Le jeu, de toute manière, reste une pratique collective. Donc, je pense que quand on dans une pratique collective, avec des habitudes de pratique collective, c'est très difficile de travailler tout seul dans son coin, sans vraiment de sortir un jeu qui soit vraiment un produit d'une seule personne, en fait. Oui, puis au-delà même, ne serait-ce que des compétences, quoi. Oui, il y a des jeux solo aussi. Bravo. Mais bravo. Oui. En fait, non, mais après, je suis pas sur du jeu de rôle, je suis sur du jeu de société. Effectivement, je pense que ça change un peu les choses. Et Prosperia, le jeu de cartes, comme c'est juste un jeu de cartes, lui, je l'ai vraiment fait intégralement toute seule, dans sa structure, dans ses textes, dans ses illustrations, dans sa mise en page, parce que je suis aussi maquettiste. Et j'ai fait un financement participatif pour le faire éditer à l'édition.
À part avoir effectivement du monde autour de moi pour relire les textes et corriger, c'est essentiel d'avoir des correcteurs. Mais sinon, pour le coup, c'était en solo. Ce qui n'est pas le cas de l'école de Nicolas Flamel. Et sur du jeu de rôle, pour être rôliste aussi, je comprends complètement ce que vous dites. Ouais. Après, Mais il y a surtout des jeu auteurs de jeux de... il y a des auteurs de jeux de rôle qui écrivent en font tout en fait, hein, genre Le Grouf ou c'est Oui. chapeau à eux quoi. Oui, mais Ils jusqu'à où, font. Alex, Ah, sur ton jeu excuse-moi, de Guillaume. cartes, oui, sur Ouais, ton je jeu de cartes, t'entends. Alex, quand tu l'as testé, tu l'as fait jouer, j'imagine, avant de lancer le financement. Tu l'as testé, c'est un jeu solo? Ah non, attends, je me trompe peut-être. C'est un jeu solo ou c'est un jeu qui se joue à plusieurs? Les deux, en fait, si tout seul en se tirant les cartes pour soi, on est sur un jeu Ah quand oui. même de développement personnel. Et D'accord, on oui. peut sinon aussi l'utiliser en fait à plusieurs pour pouvoir échanger à partir des cartes qu'on a tirées. Mais c'est vrai qu'on n'est pas sur D'accord. un jeu de société collectif, malgré tout. Il n'a pas Pardon. été développé dans cette idée-là au départ. Ah, d'accord. Parce que quelquefois, les pistes, je sais que sur Osterion, quand on a commencé à le faire jouer, pourtant avec Géraud, on avait eu beaucoup d'échanges, le jeu il s'est enrichi, il y a des idées qu'on a abandonnées, d'autres qu'on a ajoutées. Mais au moment des playtests, le jeu, il n'est même pas fini parce qu'on l'a vu, il a encore bougé, quoi. On commençait à avoir le jeu ultime. Et pas du tout. Et puis il y a des gars qui sont venus, qui nous ont dit ça marche pas, ça. Et hop, on a été obligé de remettre tout ça dans la moulinette. Et comme quoi, d'avoir plein de visions de joueurs, c'est hyper important parce que on joue pas tous de la même manière. Voilà, c'était. Donc voilà, même les playtests, ça avait servi. Donc pour ton jeu de cartes, ça aurait pu être aussi ça, le fait de passer en playtest. Peut-être que ça t'a amené à faire des modifications sur des choses ou. Alors, il a beaucoup été testé, puisque comme je suis sur du jeu de société, moi je fonctionne avec des prototypes. Ça faisait partie des questions que je vous proposais d'aborder. C'était est-ce que vous avez fait des panels de tests? Est-ce que vous avez fait des prototypes? Moi, en tout cas, je suis passée par des prototypes et je suis d'accord que entre l'idée première, la manière dont on le développe, les premiers tests, les prototypes, il y a une évolution. Et puis moi, en plus, pour l'école de Nicolas Flamel, l'éditeur derrière, qui lui-même a fait des tests et fait des modifications dans les règles, il y a tout un cheminement. Et du coup, comment ça s'est passé pour vous? Alors moi, les playtests, j'en ai fait quelques-uns. Bon, moi, j'ai un jeu vraiment où j'ai dû faire playtester, hein, c'est l'Empire des Cerisiers. Après les autres, j'ai participé éventuellement au playtest, mais c'était pas mon jeu à proprement parler, où c'est moi qui reprenais vraiment les retours pour modifier en conséquence, quoi. On en a fait quelques-uns, hein, en interne, par des groupes, des petites équipes de potes autour ou de connaissances ou ce genre de choses. Ça a amené. Alors bon, moi j'ai le système est particulier parce qu'il ouvre la porte. Enfin, disons qu'il est assez, il est très modulable et justement pour que les MJ puissent customiser, enlever ce qu'ils veulent et autres. Donc même s'il y a un petit bug, c'est pas grave en fait à proprement parler, dans le sens où très facilement. Enfin, le but c'est de pouvoir le corriger et de mettre le curseur comme on veut dans le système. Mais après, en effet, comme je disais, c'était au niveau de l'ambiance et moi c'était plus par exemple sur le scénar du livre de base. Où les playtests ont été le plus important, en fait. C'est-à-dire que je l'ai fait jouer plusieurs fois, d'autres personnes l'ont fait jouer. Je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui pour moi, à l'écrit, ça me semblait évident. Et en fait, quand on voit que sur trois tables, bah, les joueurs passent complètement à côté alors que le MJ aborde enfin, fait jouer le scénar, c'est que il y a un problème là. Si ça doit être évident, il faut que ça soit évident, enfin, etc. Et donc, ça m'a. Soit de rajouter des précisions, enfin c'est plus sur l'aspect scénario moi que j'ai pas mal modifié de choses et après bah, au niveau du système bon moi c'est je suis pas un grand amoureux de la partie système hein. mais disons que ouais on a plus fait des ajustements avec Aldo, Fabien enfin tout un et globalement on avait enfin c'est pas là où il y a eu le plus de modifications, en fait. Sachant que les playtests dans le reste. Ah zut.
reste quelque chose de toujours assez compliqué, parce qu'en fait, c'est pas un peu comme un jeu vidéo où on peut le diffuser à autant d'utilisateurs qu'on veut pour avoir des bêta-testeurs et une armée de bêta-testeurs, ouais. Parce que le jeu de rôle demande des conditions un peu particulières et c'est toujours difficile de trouver des gens qui connaissent pas du tout son jeu, qui en ont pas du tout entendu parler et qui le découvrent un peu pour la première fois. Donc, c'est vrai que c'est toujours quelque chose d'assez périlleux. En fait, quand on parle de playtest en jeu de rôle, il faut pas s'imaginer ça comme dans l'industrie du jeu vidéo, un jeu qui est envoyé à des milliers de personnes et qui des retours qui permettent de faire ça en temps réel. Souvent, il y a les conventions aident bien à faire playtester, mais ouais. Encore une fois, c'est souvent le créateur qui fait playtester. Mm-hmm. Donc, en fait, il y a pas mal de biais. On va pas se rendre compte de bugs que nous on passe à l'as parce qu'on sait, enfin on connaît bien notre bécane trop en fait. Et après il y a des grosses machines comme Donjons et Dragons, enfin Wizard, tout ça, qui eux par contre ont des 200, enfin des centaines de playtesters et qui font des retours, etc. Mais bon, ça reste des exceptions. Et oui, moi je vois de toute façon hein, l'Empire des Cerisiers, j'ai eu pas mal de demandes de playtest et finalement il y en a qu'une poignée qui ont répondu. Alors pas, il y a pas de mauvais fond ou de, c'est que après les gens ont pas forcément le temps, etc. Et finalement je pense que j'ai eu un retour sur même pas 80% des fichiers envoyés en fait. Mmh. Ouais. Et puis avoir un retour en inconnu, c'est pas toujours facile en fait. Les inconnus, oui. C'est très difficile souvent de demander à des gens de faire un retour sur une partie de jeu de rôle et qu'ils aient l'expérience suffisante pour pouvoir argumenter et pour pouvoir dire ce qui va pas ou quoi que ce soit en fait. Mais bon, ça reste nécessaire. Du coup, à la vraie différence d'un prototype de société. Mais c'est pas des protos en fait. Oui, alors qu'en jeu de société, on a vraiment le prototype. Et moi, je me suis même amusée à mettre le prototype dans la main de gens que je ne connaissais pas. Et juste de regarder, quoi. De les regarder, lire la règle, si c'était compréhensible ou pas. Oui. Comment est-ce qu'une idée devient un produit? Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est court? Est-ce que l'idée d'en faire un jeu apparaît tout de suite? Alors, vous avez déjà répondu un peu, parce que beaucoup ont parlé des illustrations, de l'univers, et pas forcément, par exemple, de faire des règles tout de suite. Mais voilà, quel a été le processus pour chacun d'entre vous? Ou les processus Chez The Architecture Art, on n'a fait qu'un seul jeu. Le reste, ce sont juste des recueils d'images avec des textes, mais il n'y avait pas de règles. Et le seul jeu auquel on s'est frotté, c'était donc Austerion. Et on est parti d'envie de dessiner des tuiles de donjons à explorer. Et puis avec Géraud, on a enrichi ça au fur et à mesure. Moi, au début, j'étais même pas parti sur l'envie de faire un jeu avec des règles. Moi, je voulais faire des tuiles. Et puis Géraud, il m'a dit, c'est nul, on va faire des règles. Et donc, on a créé des règles autour de tout ça. Et ça a été très très long. En fait, ça a été beaucoup plus long que ce que je pensais. Déjà parce que Olivier en parlait un petit peu tout à l'heure. En fait, c'est important d'avoir des équipes bien calibrées. Et quand on essaye ça à deux, et ben en fait à deux, y a trop de travail et on a du mal à l'abattre. Parce qu'il y a les textes, il y a le dessin, mais ensuite il faut aussi s'occuper de la partie éditoriale, la maquette, enfin tout ça c'était un peu compliqué. Donc moi je suis allé chercher de l'aide auprès d'un graphiste qui m'a aidé pour faire la charte graphique, Benjamin Treillou, qui m'a aidé à mettre en page les cartes. Voilà, il y a un moment donné, en fait c'est la charge de travail est un peu trop importante. Alors c'est possible à faire, mais il faut être prêt à allonger ses délais. Et ouais, comme carrément. Là on était sur un financement participatif, où il y a une date de rendu, tout ça. Alors, je suis déjà en retard. Je suis quand même en retard. Mais pour être le moins en retard possible, il a fallu aller chercher de l'aide. Dans les scénarios, il y a d'autres auteurs qui ont aidé Géraud pour créer les scénarios. Christophe Valla, Max et la moitié. Hop, ça me permet de les glisser. Et puis Tom LG. Et donc, parce que la montagne était un peu trop importante, et voilà. Et ce problème-là, je l'ai jamais eu en créant des cadres d'aventure. Au moment où on a commencé à se frotter à des règles, que, je sais pas, la charge de travail, elle a augmenté. C'est sûr, c'est
il faut les mettre au point, il faut faire un truc propre pour les donner en playtest, il faut que ce soit un peu ordonné pour que les gens comprennent, il faut... et voilà, ça a tout de suite compliqué bien plus les choses de se frotter à un jeu plutôt qu'à un cadre d'aventure. Alors, en fait, ça dépend. Moi, pour ma part, on va dire les deux expériences, parce qu'en fait, moi, j'ai fait de la carto, de l'illustration pour beaucoup de projets, pour les projets que j'ai lancés, entre guillemets. Donc, il y avait eu Sunda Mizumura. Ça dépend, en fait, le but et la finalité, en fait. Moi, initialement, le premier projet, c'était Sunda Mizumura, qu'on a écrit avec Aldo. Moi, j'avais juste envie, là, c'était parti, c'était de l'amateur. Je jouais à Légende des Cinq Anneaux. Je faisais jouer dans une ville... mes joueurs, donc c'était pas parti du tout pour être pro. J'ai dit, bah tiens, tant qu'à faire, je vais faire une petite aide de jeu que je mettrai sur le net, mettrai en page, je ferai quelques illustrations. Puis bon, on est parti sur un vrai supplément qu'on a essayé de faire comme les pros, c'est-à-dire de mener. Ouais. Donc ça a été très long parce qu'en plus là, du coup, c'était en amateur, donc tout le monde c'était en bénévole. Hein. Donc là, ça a rallongé les délais. Par contre, on a eu un produit fini, mais qui a mis un certain temps à arriver. Mais bon, on n'avait pas de pression éditoriale, pas de délai, pas de planning, pas d'annonce de sortie, pas de crowdfunding. C'était comme on voulait, en fait. Hein. Par contre, après, l'Empire des Cerisiers, c'est différent. Alors, initialement, le produit, ça ne devait pas être le même. C'est-à-dire que ça devait être un petit artbook, un peu comme ce que fait Guillaume, en fait. Hein. Donc ça date de 2016-2017, donc c'est vieux. Ça devait être, j'avais un projet de gros artbook de cartographie avec mon éditeur. Et je dis, mais là, il me faut 2 ans à faire que ça pour produire un truc comme ça. Si tu veux, en attendant, j'ai fait quelques petites cartes à côté et on peut remettre ça dans un petit recueil. On met un petit bout de texte d'univers pour mettre un cadre et j'aimerais bien mettre un petit système de 4-5 pages. pour si on veut jouer dedans, quoi. Il me dit, ah ouais, c'est une bonne idée, tout ça. Ouais, c'est cool, allez, banco. Et puis après, il me téléphone 2 semaines après, il me dit, non, on va faire un vrai jeu de rôle. Et là, par contre, en fait, du coup, le produit, c'est plus du tout le même, en fait. Et là, en fait, en effet, la démarche, elle a plus rien à voir. Il y a beaucoup de pression, en fait. Moi, si je retiens quelque chose là-dedans, c'est outre le travail en équipe, que ça, je kiffe. Et ça, on peut le faire pour un tas de projets et pas forcément pour un produit à la fin. C'est une fois que ça passe dans la catégorie produit et pas juste un petit truc où on reste dans ce qu'on sait vraiment faire et donc on ne prend pas de risque. Là, moi, faire un jeu de rôle de A à Z, moi, en fait, c'était prendre un vrai risque. Du coup, la pression, c'est plus du tout la même, en fait. Et je pense qu'il y a toute cette part de pression. Après, il y a des délais qui se rajoutent. Il y a tout l'aspect professionnel qui se greffe au projet et tout l'aspect qu'on. Enfin, il n'y a pas que de la création, quoi. Gérer des délais, gérer la com, gérer les salons. Et bon, moi, par exemple, comme disait Guillaume, ça prend un temps fou d'écrire un jeu de rôle. Moi, en fait, j'ai dû m'arrêter finalement parce que je voyais que ça allait prendre un temps. J'ai fait que ça, que l'Empire des Cerisiers, sachant que j'avais de courtes nuits. J'ai dû m'arrêter au bout d'un moment et ne faire que l'Empire des Cerisiers pendant un peu plus de 10 mois, non-stop, où j'ai fait que ça. Ce qui implique de mettre en suspens toutes les commandes, les gens avec qui on travaille, leur dire ben là, je suis obligé, il faut impérativement que je termine et que j'avance. Ça a un tas d'impact. Hein, et bon, ben là, c'est le but, c'est d'atteindre en effet le produit et qu'il soit terminé, donc pas à temps pour le coup, parce qu'on a eu un petit ça va, hein, on a une petite année de retard. Et c'est pas que c'est que le projet était assez important, puis bon, il y a différents facteurs qui sont greffés dessus. Et puis bon, mon éditeur voulait que le projet, et c'est ce qui des fois prend plus de temps, enfin pas plus de temps, enfin c'est le fignolage, en fait, qui prend énormément de temps. C'est-à-dire, on a passé un temps fou à revoir chaque illustration sur chaque page, régler la colorimétrie, des tas de choses comme ça, en fait, qu'on ne se rend pas compte. On se dit, ouais, c'est bon, j'ai fini toutes mes illustrations, j'ai fini tous mes textes, ils sont relus, maintenant, il n'y a plus que la maquette, il y en a pour un mois, et les 4 bouquins, ils sont torchés, quoi. Non, absolument pas, déjà, voilà, on ne torche pas... Enfin, c'est pas en un mois et c'est fini, quoi, en fait. Et après, il y a eu des mois de réglage, en fait,
et de revenir parce qu'on se rend compte qu'il manque une illustration à tel endroit. Et tous ces petits réglages, en fait, pour qu'il y ait un vrai produit fini. Je veux dire, quand c'était de l'amateur, bah, finalement, c'est pas grave, on comble, on remet une illustration en double. Bah, c'est bon, on fait vite et on va pas régler les petits trucs. Là, on va régler dans les petits détails, etc. Et tout ça, c'est ce qui fait que ça fait un produit pro. Enfin, après, on jugera sur le. C'est pas moi qui jugerai. Ça sera les clients, les joueurs, les MJ qui nous diront ce qu'ils en pensent. Mais en tout cas, on va plus au fond des choses, je pense, et on va essayer de rendre le produit le plus nickel. Et tout ça, ça prend du temps, en fait. Ouais. Ce qu'on disait, en fait, c'est qu'un jeu, c'est pas seulement des règles, c'est aussi un univers, c'est aussi des illustrations, c'est aussi une maquette, et c'est quelque chose qui est obligé de fonctionner un peu comme un ensemble. Et bon, même si on a chacun plusieurs cordes à nos arcs, parce que finalement, on finit par être obligé de se débrouiller dans plusieurs domaines pour avoir un peu de recul, c'est quelque chose qui est quand même qui demande des savoir-faire très très différents et des mises en place très très différentes. Parce que oui, travailler sur les règles, écrire des règles, c'est pas. Enfin, je m'en suis rendu compte. Hein, moi, je viens du monde littéraire. Bah, écrire des règles, c'est pas écrire un roman, et du coup, ça demande d'apprendre à réécrire, en fait, hein, tout simplement, parce que c'est des choses qui, il n'y a pas de cours pour apprendre à écrire des règles, et on est obligé de revoir sa copie de nombreuses fois, quoi. C'est l'estimation. Nous, on avait vu large, en fait, avec les délais initialement, l'Empire des Cerisiers. Moi, je me suis dit, on s'est dit, c'est bon, quoi, en fait, on va tenir les délais, il n'y a pas de souci, et en fait, absolument pas, quoi. Et bon, ça, après, on apprend, je pense, de projet en projet. Mais, enfin, voilà. Et on aurait pu le sortir presque limite à temps, mais ça aurait manqué de toute cette. Enfin, de. Le jeu, il serait sorti avec des déceptions, je pense. Hein, pour moi, hein, peut-être pas les. Enfin, pour tout le monde. Mais on ne serait pas allé jusqu'au bout de ce qu'on voulait pour le projet, quoi. Et du coup, bah, ça a bouffé les délais, quoi. Et bon, après, voilà, c'est pas 5 ans, 6 ans de retard. Hein. C'est un petit retard, une petite année. Voilà. Mais sachant que c'est pas linéaire aussi, la création, parce que, en fait, il y a des moments où ça bug, on comprend pas. Et puis, on passe un mois dessus et on prend toujours pas. Et puis, un soir, alors qu'on n'y pensait pas et qu'on est en train de faire la vaisselle ou quoi que ce soit, on se dit, mais merde, j'ai compris pourquoi ça marchait pas. Et c'est le truc tout con, en fait. Et ça nous vient comme une évidence. Alors que pendant un mois, on était là à plusieurs à pas comprendre. Il y avait un truc qui marchait pas, hein, qui. Et c'est des petites choses qu'on maîtrise pas, en fait, des échelles de temps qu'on maîtrise pas, en fait. Hein. Non, après, c'est. Il y a des choses qu'on peut faire aussi à côté. Moi, je sais que oui. L'école de Nicolas Flamel, je pense que là, pour le coup, moi, c'est de la longue, longue maturation parce qu'il aura mis 14 ans à trouver son éditeur. Ah ouais. Tout arrive un jour. Carrément, comme. Mais je pense que c'est bien aussi d'avoir plusieurs projets en parallèle. Moi, j'ai toujours plusieurs projets en parallèle. Parce que quand je bloque sur un projet, je passe sur un autre. Et ça m'évite le côté frustration où on rumine sur un projet en disant ça avance pas ou quoi. Oui. Et puis, ça donne une idée pour autre chose. Après, il y a quand même un facteur aussi. Je parle pour moi, par exemple. C'est que moi, c'est mon métier, enfin, illustrateur, cartographe, mais disons que c'est vraiment mes revenus et mon activité à plein temps. Maintenant, la créa, même en tant qu'auteur, ça rentre là-dedans, en fait, hein, dans mon métier de créatif, même si c'est pas la même chose, parce que le boulot de commande, la créativité, elle est liée tout autant, hein, mais on a d'autres astreintes, d'autres obligations. Du coup, il y a aussi, au bout d'un moment, il faut se mettre, il faut se. Quand je disais j'ai pris 10 mois, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai dû me dire, là, il faut le mener à son terme. Moi, là, par contre, pendant 10 mois, vraiment, j'ai quasiment fait que ça. C'était le temps imparti au boulot de créa, il était l'Empire des Cerisiers, l'Empire des Cerisiers, l'Empire des Cerisiers. C'est. Bon, c'est. On est content après.
de faire un peu autre chose. Mais ouais, enfin, il y a des deadlines, il y a des, on est obligé de s'en mettre un minimum parce que là, il faut bouffer en fait, il faut payer les factures aussi. Et toi, c'est ton travail à plein temps en fait d'être illustrateur. Voilà, c'est ça, c'est pour ça. Ce qui n'est pas le cas. Moi, par exemple, c'est pas mon travail à plein temps, donc quelquefois, j'ai d'autres impératifs qui viennent. Ben, mais c'est dur hein, parce que quand tu arrives avec. Oui. Mais des fois, c'est dur hein, parce que justement, on est bloqué, entre guillemets, on aimerait avoir ce temps pour dire. Je passe sur autre chose et je laisse ça dans son coin maturer hein, et c'est enfin moi j'ai fait des changements par exemple même en termes de boulot où je prends moins de boulot à l'heure actuelle hein, justement pour pouvoir me laisser alors je peux me le permettre parce que ben ça va bien en termes de carrière et du coup je retrouve aussi le temps de comment dire de la recherche, de l'expérimentation, et de me dire, hop, ça, j'ai du temps encore, je le mets un peu de côté, ça va faire son petit bonhomme de chemin, et je repasse sur ça. Et je me suis réoffert ce temps parce que j'ai eu une période où, par contre, c'était à la chaîne, et en fait, c'est des boulots plaisir et passion, c'est des vrais boulots, hein, attention, hein, ça ne remplace. Enfin, c'est pas parce que c'est la passion que c'est pas du boulot. Mais disons que c'est des boulots qui demandent un certain nombre de sacrifices, en tout cas financiers, pendant un moment, etc. S'il n'y a pas la passion, s'il n'y a pas le plaisir de faire ce qu'on fait et d'aimer ce qu'on fait, faut faire autre chose, quoi. Vraiment, quoi. Parce que là, c'est vraiment se maltraiter, se faire du mal, je pense. Donc, au bout d'un moment, il faut essayer de retrouver et de trouver une balance, en fait, entre impératif de commande et. Deadline, etc. et le temps pour le temps d'aimer ce qu'on fait quoi. Pour arriver sur la fin de cette table ronde, je vous propose une dernière question. Il y a peut-être des gens qui nous suivent. Alors normalement, il y a des questions qui auraient pu être remontées, mais avec tous les petits soucis techniques, j'ai pas les questions. Donc je m'excuse d'avance auprès du public s'il y en a eu, et auprès de la modératrice qui me les fait normalement remonter. on pourra toujours voir dans les commentaires éventuellement et répondre en direct aux gens. Mais alors, la question, c'est quel conseil vous donneriez à des gens qui voudraient se lancer dans la création, qui ont des idées qu'ils aimeraient transformer en produits? Voilà, qui voudrait se lancer dans la création de jeux. Je commence pas. C'est qui commence pas? Non, qui ne commence pas? J'attends. Vous direz, ne faites pas ça, ouais, ne faites dire, pas non, ça, en fait, jamais. Ouais, ça rejoint un peu. Moi, je disais déjà finir un projet, quelle que soit la taille et sa dimension, et le partager. Et une fois qu'on le partage, c'est écouter et entendre les retours qu'on peut avoir dessus et recréer quelque chose d'autre et continuer à partager, etc., etc. Et regarder ce que font les autres aussi. Enfin, je pense que c'est important de… Ben voilà, dans le jeu de rôle, en tout cas, c'est un média, c'est des produits, c'est un milieu de partage, en fait. Et donc, de fait… ce qu'on va créer est de toute manière fait pour être partagé, c'est-à-dire c'est quelqu'un d'autre qui va le prendre en main et qui va jouer avec. Donc de fait, au bout d'un moment, il faut sauter. C'est terrorisant hein, au début. Moi, je parle pour moi, c'est de se dire bon ben stop, là maintenant il faut que ça parte et faut point final. Et maintenant voilà les retours et comment ça va être perçu quoi. Et ça, c'est un peu c'est la chute libre à chaque fois. C'est grosse émotion et anxiété, mais justement, il faut franchir ce pas de se dire, je lâche le bébé dans la nature et je vais écouter et me prendre tous les retours, voilà, positifs ou négatifs, quoi. Et après, sinon, en termes de conseils, je pense que le mieux, c'est de commencer par un tout petit projet. Ouais. Parce que pas de se lancer dans un gros truc, parce que je sais que t'es suspendu, je sais que m'a bouffé pendant, me continue de me bouffer encore, mais enfin c'est parce que c'était trop gros quoi en fait. Juste c'était, on est souvent un peu trop gourmand, mais on s'en rend pas compte. Hein. Mais c'est toujours plus sympa de se faire la main avec des petits projets qui prennent moins de temps, qui mobilisent moins d'énergie, qui mobilisent de moins grosses équipes, mais qui permettent d'acquérir en fait
les premiers réflexes que dont on aura besoin assez vite en fait. Communiquer avec un illustrateur, apprendre à communiquer avec parce que enfin quand on découvre un illustrateur la première fois et quand on lui demande des trucs, eh ben je sais que pour moi c'est pas évident de dire ce qu'on vit, de voir sur une image parce qu'on a une sorte d'image dans la tête de ce qu'on voudrait voir. Et en fait, ben l'illustrateur, il est pas dans notre tête, donc enfin, il va faire quelque chose qui ressemble, enfin, qui ressemble pas du tout, qui est très enrichissant, mais qui, heureusement ouais, pour non, lui, qui est, et en fait, et je sais que quelquefois, c'est un réflexe. Par exemple, éviter de vouloir corriger une illustration, c'est quand une illustration vous plaît pas, ben, on passe à autre chose parce que ça marchera pas, parce que j'avais essayé comme ça au départ, il y a des illustrations qui marchent pas. En fait, ça va bien avec l'illustrateur, il y a plein d'illustrations qui viennent et puis il y en a une, on comprend pas, il y a un truc, ça va pas. On a beau dire non, ça me plaît pas, la posture du personnage, un truc comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai appris que bon, on passe à autre chose parce que là, on n'y arrivera pas là-dessus. Quitte à revenir, en fait. Donc c'est vrai qu'on apprend à communiquer aussi, à échanger dans des modes qui sont pas... parce que je me rends compte que pour moi, parler à un illustrateur, c'est quelque chose d'assez compliqué parce que j'ai pas le vocabulaire et puis je vois pas trop où il arrive et je pense que à l'inverse dans d'autres domaines ça doit être aussi compliqué en fait. Là je vois justement quand tu parles de parler à un illustrateur c'est peut-être là où c'est important une équipe et un staff éditorial en fait. Mmh. C'est que en règle générale normalement hein, l'éditeur et un directeur artistique, enfin, mm-hmm. est censé justement pouvoir faire le filtre. Moi, je sais que je travaille très rarement, en fait, peut-être un peu plus sur le francophone et encore, je travaille très rarement finalement avec les auteurs, en fait. Je parle pour mon boulot de commande, hein, en tant mm-hmm. qu'illustrateur et cartographe. En règle générale, je bosse avec le chef de projet. C'est-à-dire que, alors, ça peut être l'auteur, hein, pour le coup. Donc là, du coup, c'est avec l'auteur. C'est soit l'éditeur, soit le chef de projet, en fait, avec qui je travaille. Mmh. Et les auteurs, surtout quand il y en a plusieurs, c'est juste pas la peine, en fait, parce que on va être noyé sous les informations, des fois contradictoires. Et en fait, il faut qu'il y ait quelqu'un, moi, je veux, enfin, quand je bosse comme ça, vraiment en boulot de commande, hein, il me faut un interlocuteur, quoi. Après, qu'il soit 15 à se parler et puis que finalement, ça passe par l'entonnoir de l'interlocuteur. Voilà quoi. Et c'est peut-être là où c'est important aussi, en tout cas le staff de l'éditeur est très important aussi pour coordonner et pour diriger un projet aussi. Parce qu'on a beau être créatif, avoir l'idée du jeu de rôle ou autre, au bout d'un moment en effet, on peut prendre son petit jeu qu'on publie, qu'on autopublie, ou un gros jeu qu'on autopublie, mm-hmm. mais c'est parce qu'on a déjà des savoir-faire qu'on a développés en termes de direction de projet et autres. On les a pas forcément ça. On peut être très bon créateur et très bon et écrire de super jeux de rôle, mais pas toutes les compétences qu'il faut autour. Et en règle générale, c'est là où un éditeur, en tout cas, fait le job, quoi. C'est vrai. Mais Olivier, toi, tu avais bossé pas mal avec les États-Unis ou des... Non, ouais. Parce que les Américains... Toujours, ouais. Ah oui, les Américains, ils sont plus carrés, je trouve, que les Français, justement, avec... Non, moi, j'ai eu affaire une ou deux fois à des Américains, et à chaque fois... Il y avait un directeur artistique, c'était très cadré. C'est ça. Il y avait en pas fait, il y a un directeur de gamme, en règle générale, et tu ne bosses quasiment qu'avec lui, en fait. Le chef de projet, en fait. Alors après, ça dépend quand tu t'entends bien, que ça devient des potes, etc. Mais c'est des gens qui ne vont pas t'envoyer des... Enfin, ils savent comment... Après, moi j'ai bossé avec deux boîtes américaines, réellement. Bon, c'est AEG et Chaosium. C'est des groupes. Et à chaque fois, j'ai eu qu'un interlocuteur. Pour chaque aller à la limite deux pour chaque projet, mais par exemple sur RunQuest, j'ai que deux interlocuteurs, j'ai Jeff Richard et Jason Dural et basta. Alors qu'il y a plein de monde qui bosse sur RunQuest, et il y a plein de suppléments, etc. quoi. J'ai que deux sur l'appel de Cthulhu quand je bosse avec eux. J'ai Mike Mason qui est en copie et j'ai en fonction du projet la directrice de projet, la Céline Hardy. La dernière fois c'était Mike Mason, mais en fait j'ai très peu, c'est très peu de, d'ailleurs je sais même pas souvent qui c'est qu'il y a dans l'équipe, en fait c'est, ouais. J'ai affaire vraiment à ceux qui dirigent le projet, ouais. Qui encadrent le projet, quoi. Et en France ça dépend, en fait ça dépend après de comment aussi les relations qu'on a, enfin moi je vois c'est que après au bout d'un moment si on est potes aussi, alors aux États-Unis je m'entends très bien avec Jeff et tout, hein, mais bon, disons qu'il y a,
Il y a l'éloignement et autres qui font que ça met. Et puis les gammes sont énormes en plus, et les équipes aussi. Mais bon, par exemple, les relations que j'ai avec Arcane Asylum sont très professionnelles, mais en même temps aussi, j'ai beaucoup plus le nez dans ce que je fais, en fait, dans les projets, etc., avec sur lesquels je bosse, quoi. Mais en effet, en règle générale, j'ai qu'une personne qui me passe les commandes. En l'occurrence, ce n'est pas forcément Mathieu Saintou, c'est Fabien Marteau, son bras droit. C'est lui, en règle générale, qui me passe les commandes, en fait. D'accord. Je sais que moi, en tant qu'illustratrice pour la jeunesse, parce que je viens de là aussi, enfin, j'ai aussi fait ça comme métier plutôt. N'y a qu'une où j'ai travaillé avec l'auteur. Les autres, en fait, j'ai toujours été juste avec l'éditeur, en relation qu'avec l'éditeur. Et c'est pour ça que pour l'école de Nicolas Flamel, pour moi, c'était super important d'être main dans la main avec l'illustratrice. Bah après, c'est qu'aussi en jeu de rôle, enfin moi je vois, c'est rare qu'il n'y ait qu'un seul illustrateur. Donc tu vas intervenir ponctuellement, moi par exemple, sur 3, 4, 2, 1, 2, 3 cartes. Mais en fait, après, il y a peut-être 3, 4 autres illustrateurs à côté qu'on ne se voit pas forcément, en fait, on n'échange pas forcément. Et c'est vrai que les équipes, selon la taille de l'équipe, c'est plus difficile de mettre tout le monde. Et que tout le monde bosse sur tout, en fait, enfin, échange sur tout. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, y a besoin, puis ça dépend aussi de la charge de ton travail. Moi, je sais qu'au bout d'un moment, je ne peux pas passer. C'est du temps et c'est du boulot, en fait, hein, quand c'est notre boulot à plein temps. Enfin, je ne peux pas passer des jours entiers de brainstorm sur un jeu, à moins que ça soit rémunéré. Parce que moi, en fait, à côté de ça, c'est des jours que je passe pas à bosser sur les commandes, etc. En fait. C'est clair. Messieurs, on arrive à la fin, messieurs, dames, on arrive à la fin de notre heure de table ronde. Donc, je vous Ben remercie merci beaucoup beaucoup. pour tous ces Merci. échanges Merci. hyper enrichissants. Merci à Et Oui, puis, merci. bah, écoutez, je vous invite à regarder s'il y a eu des questions, du coup, en commentaire de la vidéo, Ouais. au cas où. Ouais, c'est ce qu'on fera. De toute façon. Et puis, bah écoutez, alors je ne sais pas exactement s'il nous reste une ou deux minutes, si vous voulez dire un petit mot de la fin, mais en tout cas, sinon, je vous remercie beaucoup pour tous ces échanges. Merci à tout le monde, Merci à déjà. toi, merci à tout le Non, monde. c'était super. Puis les copains et tout, les copines, c'est chouette. Oui, Ça fait plaisir. On n'est plus ni de On a plein de festival, mais jeux à on peut aller les faire en live, découvrir. c'est très chouette. C'est clair. C'est clair. Bon, à très bientôt alors du coup. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si on parle. Merci. Au revoir. Eh bien, au revoir. 7 tables rondes vient de se terminer, mais le festival continue tout le week-end. Le programme complet est disponible sur nice-fiction.fr. Les stands vous attendent sur notre serveur Discord. Pensez également à visiter nos expositions 3D et n'hésitez pas à intervenir dans le chat des conférences et tables rondes si vous avez des questions.